Poufou sur YouTube, comment allez-vous? Ça va super, je suis avec Nico, coucou Nico. Coucou. On est avec Nico depuis maintenant plusieurs heures, on arrive enfin à notre lieu de rendez-vous qui est la PGW 2017. On y est pour info, c'est là, c'est derrière, on y est pour info du 1er au 5 et comme je l'avais rappelé dernièrement, pensez à checker la description, il y aura le Twitch, le Twitter, l'Instagram. Pendant les 5 jours, on vous postera des photos, des vidéos et on vous fera des lives depuis la caserne de pompiers. Voilà, on cesse là-dessus, on va essayer de pas faire d'accident. Putain, les mecs, c'est des forceurs quand même ici. On va essayer de pas faire d'accident. On se retrouve tout à l'heure à l'intérieur dès qu'on a réussi à rentrer, à se garer. A noter que par rapport à l'année dernière, maintenant il y a des travaux, là, il y a des gros gravats là-bas. Je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait. Enfin bref, on est là, on arrive. Premier jour de PGW 2017. J'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Au programme ce soir, on streamera chez YouTube et normalement aujourd'hui on doit aller sur un stand. Donc bref, vous verrez ça avec nous aujourd'hui. On est parti. Donc on a réussi à rentrer pour le parking, c'était un petit peu galère. Voilà donc à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors pour info, je suis venu avec le téléphone, j'ai fait un petit setup de titan avec une batterie portable, etc. Poto Nico est avec moi à côté. En tout il y a 3 halls. Là on est dans le plus gros. Et l'idée du coup, c'est on va pouvoir après aller se balader dans les différents salons que vous voyez. Là-bas, il y a le salon YouTube qui est caché derrière. Il y a le gros stand JVC. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Alors on pourra pas faire tous les stands, vous l'avez deviné. Il y a Netflix aussi qui est là cette année, donc c'est plutôt stylé. Et donc nous, aujourd'hui, on a rendez-vous cet après-midi au salon Les Jeux qui sont faits par les Français, Jeux Made in France. Et de 17 à 18, on sera chez YouTube pour stream directement. Depuis le stand YouTube qui est en place. Voilà un petit peu pour le programme de la journée. Donc assez cool, on est arrivé tard. On a mis combien de temps? 2 heures pour venir? Alors quoi? 2h30. Ouais, on a mis 2h30 pour venir. Donc du coup, voilà un petit peu l'idée. Et voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Il y a un stand Monster Hunter qui est là-bas, qui est plutôt stylé, qu'on ira voir également. Tu l'auras, collègue, tu l'auras. Bon, un petit dragon, moi j'aime bien dire que ce que je voudrais plus tard, c'est un dragon. Là on a un dragon, on est sur le stand Xbox One X. On a un dragon qui est pas dégueulasse, je pense que c'est pour la sortie du jeu L'Ombre et la Guerre du Mordor. Donc voilà, plutôt nice. En même temps on a rencontré un abo. Et à côté il y a PlayerUnknown's Battleground. Donc voilà un petit peu l'idée, un dragon plutôt stylé. Au début je pensais que c'était Monster Hunter, mais en fait non, c'est bien L'Ombre de la Mort du Mordor, donc plutôt stylé. En plus on peut monter dessus, alors ça c'est vraiment le rêve. En face on a quoi? On a Far Cry 5, Assassin's Creed Origins. Alors Assassin's Creed Origins est déjà sorti. Derrière on a PlayStation. Le stand PlayStation est le plus gros du salon, d'ailleurs beaucoup plus gros que celui d'Xbox. Là-bas on a Square Enix dans le fond. Et là PUBG, alors surprise, je savais pas que PUBG serait là. A voir s'il y a moyen de gratter une invite pour essayer d'aller voir, ça peut être cool. Mais voilà, petit PUBG qui est là, un jeu qu'on vous conseille et c'est le jeu que je ferai en live ce soir avec Nico depuis le stand YouTube. Voilà, un petit peu pour les infos. Petite vue du dessus du salon. Oh, il y a du pipeau là. On a Farming comme tous les ans qui est en dessous là. Voilà, on est le premier jour, on est mercredi 1er novembre, c'est ça? Ouais. On est mercredi? Ah ouais? Ouais. On vient d'arriver. Perdu. Moi j'ai le jet lag, collègue. J'étais aux États-Unis, monsieur. Dans le nord, c'est pas la même heure, tu vois. Ouais. Bon, du coup, il y a déjà beaucoup de monde. À mon avis, demain il y en aura encore plus, après-demain encore plus, et après ça va vraiment être un bordel. Donc pour ceux qui peuvent pas venir, à mon avis, rassurez-vous. De toute façon, il n'y a plus de place. Là, c'est le merchandising pour amener des souvenirs. T'aimes, tu sais. Voilà, un petit peu à quoi ça ressemble. Plutôt sympa, j'aime bien. Ok, re! Alors pour info, on était au stand YouTube, c'est ici, c'est un bordel. J'ai vu Aikiliou, j'ai pu prendre une photo avec lui, je suis ravi parce que c'est un gars que je suis depuis des années. Et ouais, voilà, j'étais content de le voir, ça fait plaisir. À côté de ça, là on va aller chez Big Ben. À côté de ça, on a bu et on a mangé une clémentine de chez YouTube, elles sont très bonnes. Et donc pour info, aujourd'hui à 17h, on streamera directement des... on streamera directement du coup de chez YouTube. Donc c'était bien, il y avait pas mal de youtubeurs, mais c'était surtout Aiki que j'ai croisé, je sais pas qui était là, donc du coup bah, j'étais content. Bref, maintenant on va chez Big Ben voir les collègues.
Parce que Big Ben, on les entrepose dans le nord et j'ai déjà été plusieurs fois chez eux. Et vu qu'ils sont là, on va aller gratter un t-shirt, même tu sais. On est avec Nico et on se balade. Voilà. Bon, petite voiture plutôt sympathique. C'est quoi le stand? On est à Xbox One X. Petite Porsche qui fait plaisir. On apprécie. Pour Forza Motorsport 7, du coup, c'est en Xbox One. Derrière, il y a Minecraft. Et voilà un petit peu le bordel. Il y a du monde. Ah, par contre, Monster Hunter, ça c'est vraiment stylé. On ira voir si on peut. Enfin, bref. Voilà pour la voiture. Elle est jolie. Elle est jolie, elle est jolie. Nouvelle petite voiture. Je sais pas ce que c'est. Citroën C3 WRC version Abu Dhabi, plutôt sympa pour la sortie de W2C7. Voilà, pour ceux qui jouent encore au jeu de voiture, j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a vraiment un bordel et du coup c'est un test en fait. Pour info, aujourd'hui je filme tout au téléphone, je vous montrerai le setup ce soir, donc voilà. Si jamais le vlog vous plaît, pensez à le liker, à vous abonner et on continue un petit peu le petit on continue le petit vlog trip, on ira tester Dragon Ball Z aussi un autre jour. Qui sont chauds pour Pierre, hein. Bah Pierre c'est normal, c'est un peu l'outsider, on le voit. Allez, on avance. On avance, on va aller là nous. Chez Big Ben, on va aller voir ce que ça donne. Bon, vous voyez un petit peu l'ambiance, il y a énormément de bordel. Là on est devant le Square Enix, mais je pense que ça sert à rien que je parle, c'est un bordel. Collègue, un mot peut-être, collègue? Non. Alors comment ça se passe? Bon, alors là on est dans le stand ESWC, les compétitions, etc. Donc on peut suivre là une compète de FIFA. Mais logiquement par la suite on pourra suivre un petit peu autre chose, il y a d'autres marques, il y a des équipes, etc. Enfin voilà, bon personnellement FIFA ça m'intéresse pas du tout. Mais je sais que l'année dernière on avait vu une compète de CSGO, c'était bien stylé. Donc à voir ce qu'il y a pendant ces 5 jours, il y a moyen qu'on vienne ici squatter pour écouter des. Pour regarder des compètes. Voilà un peu pour l'idée. Pour ceux qui n'ont pas pu venir, voilà un petit peu l'ambiance du premier jour. Donc il reste encore des chaises de lit, donc c'est cool. Sinon c'est vrai que c'est vraiment galère quand il y a plein de monde. Donc on est devant le stand Overwatch, mon jeu préféré, comme tu sais, il y a un cosplay de Ange qui est je sais pas où, il est là. Petit cosplay de Ange assez sympathique, on apprécie. Et donc du coup voilà le petit stand Overwatch qui fait plaisir. Alors trop bon, donc on n'est pas dessus, sinon avec Nico on aurait fait la compète, easy peasy. Je sais pas du tout c'est quoi l'équipe, c'est Team Lutti versus Team Madiba, donc c'est des teams de youtubeurs. Mais peut-être qu'il y aura des compètes un peu plus loin sur le truc ESL, donc ça peut être assez stylé. On verra ça dans les jours qui viennent quoi. Mais ça va, ici c'est un peu calme donc ça grimpe. Ok les gars, on est donc chez YouTube, on va donc faire notre live en direct de chez YouTube. On est avec Nico et donc comme vous voyez, on est là, on est bien, on va donc faire un live sur PUBG pour information. J'en ai pas beaucoup parlé sur Twitter, etc. Mais c'est de 17 à 18 et donc bien évidemment, lors du montage de ce soir, parce que donc je vais monter tous les vlogs le soir, on essaiera de vous récupérer, peut-être essayer de noter si on fait un beau score, essayer de récupérer les trucs pour les mettre dans le montage de ce soir, tu sais. Bref, on verra, on va essayer de faire un top 1 comme d'habitude. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble, on est installé confortablement. Il y a un autre truc de stream à côté. Et du coup on est là, 17-18, on va donc voir ce que ça donne. On va essayer de faire un top 1, on est avec Nico sur PUBG PC. Mais on avait la possibilité de stream sur PS4, sur Wii U, sur mobile, sur tablette. Enfin voilà, il y a tout un setup qui est mis en place, assez sympathique. Je sais pas du tout ce que c'est comme PC. Donc écoutez, on verra un petit peu. Ouais, il y a qu'un casque, malheureusement c'est pas prévu pour faire du duo. Non, il y en avait qu'un l'année dernière. Ah non, oui, en effet, il y en avait deux, t'as raison. Donc du coup, voilà un petit peu pour vous montrer ce que c'est. Et quand on sera en live, quand Nico jouera, je vous montrerai un petit peu à quoi ça ressemble. Mais on est plutôt bien posé, comme vous pouvez le voir derrière nous. Le YouTube Gaming, il y a des fous derrière.
Faudrait qu'on fasse une photo d'ailleurs avec. Bref, ça c'est stylé, donc on va essayer de faire ce qu'on peut et voilà un petit peu ce que ça donne. On approche de la fin de journée, il va être 17h dans 5 minutes, on lance notre live. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne en direct de chez YouTube. Allez, à tout de suite. Alors voilà la récap de ma première partie PUBG 45ème. 2 kills. J'ai vraiment joué mal. Coucou YouTube, bien évidemment. Pour info, vous serez dans le vlog. Vlog qui sortira demain. Non, oui, vlog qui sortira ce soir pour info, parce que j'ai un PC. Vlog qui sortira ce soir. Quand je rentre, à la caserne de pompiers, on vous fait le montage. Vas-y, go, collègue. Bon, Nico va nous montrer un petit peu comment ça marche. Alors, pour info, le setup est cool, mais c'est vrai que quand tu joues sur un écran, enfin, quand tu joues avec un écran, une souris que t'as pas l'habitude, on se va pas se chercher des excuses. Mais du coup, voilà. Poufouf YouTube, ça fait plaisir. Et pour l'occasion, du coup, comme je vous le disais, on est au YouTube Gaming pour la PGW. Il y a du monde un petit peu de partout. Et voilà, on essaye de faire quelque chose de bien. On est là une heure pour info, ça fait déjà 20 minutes que je joue. Donc on aura peut-être le temps de faire 3 parties, je pense. Est-ce que ce soir je ferai un live avec Natacha? Oui, une fois que j'ai fini mon montage, on fera bien sûr un live avec... On fera un live avec Natacha, bien évidemment, Et du coup, c'est pour ça, pensez à suivre la chaîne Life, YouTube Gaming, parce que les vlogs seront sur la chaîne Life. Voilà, donc pensez-y à nous rejoindre. Et à côté, ça live pas, à côté, ils attendent. Donc du coup, voilà, pensez à venir sur la chaîne Life dès ce soir, monsieur Super Life, parce que sur cette chaîne, il y aura tout simplement le contenu Life et du coup les vlogs qu'on est en train de faire. Collègue, t'es prêt, collègue? Ah, vas-y, collègue, fais-moi rêver. Bon, écoutez, c'est des choses qui arrivent. Voilà un petit peu pour l'idée. Bon, on s'est fait rouler dessus, j'avoue que ça piquait un petit peu. D'ailleurs, pour info, PUBG a un stand ici. Donc ça peut être assez intéressant d'aller voir un petit peu ce que ça donne. Et pour YouTube, j'espère que ce vlog vous aura fait kiffer. Comme vous voyez, on a un petit... on est vraiment planqué à l'intérieur. En fait, ils ont fait un petit espace. Et ça, c'est cool. C'est assez sympa. J'aime bien. On est là jusqu'au 5. Et j'espère que ce vlog sur YouTube vous aura plu. On fait un petit peu partager notre, on va dire, vite à vite YouTubeur à la PGW. On se balade. Et pour info, vous pouvez nous croiser très facilement à la PGW. Parce qu'on vous montre tout simplement où on est toutes les 2 heures, un petit peu ce qu'on fait, etc. Bon, on va laisser Nico jouer. Et on se retrouve à la fin de la partie. Vas-y. C'est pas mes touches. C'est vrai que c'est pas le même setup. Et ça, je l'ai chez moi, le Stream Deck, histoire de faire un petit placement de produit et le gâteau. C'est sympathique. Par contre, je vais recevoir le fond vert. Voilà. Bon, on va voir ce que Nico donne. Bon, et bien écoutez, on cesse là-dessus. Fin du vlog. Il est 18h30. On rentre chez nous. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, excusez-moi, pensez à le liker. Je suis avec le bro Nico et c'était vraiment super stylé. Ouais, avec le gros Nico, tu te battre ou quoi? Allez. T'es gros comme mes bras, collègue. C'est... Ouais. Allez. Bref, j'espère que ça vous a plu. Mon setup est parfait. J'ai 100% de batterie sur mon téléphone alors que je l'ai utilisé toute la journée. Et du coup, c'est un plaisir. On cesse là-dessus, c'était Ras Super. On se retrouvera donc demain ou ce soir sur Twitch, sur Instagram, etc. C'était donc la première journée. Aujourd'hui, découverte, on arrive. C'était vraiment super cool. Je pense que j'ai dû croiser entre 15 et 20 abonnés, donc c'était vachement sympathique. Et vu que vous étiez peu nombreux, on a pu vraiment bien parler et ça, c'était vraiment top. Nico, ça t'a plu? Oui. Ça a plu à Nico? Oui. De toute façon, on est là jusqu'au 5, on n'a pas le choix. Le petit stand Battlefront, enfin bref, il y a pas mal de trucs à faire. Donc on se laisse là-dessus. Fin de vidéo, pensez à liker le vlog, à vous abonner. Et demain, on relive sur Instagram dans la journée et on live le soir sur Twitch. On se laisse là-dessus, c'était super. J'étais avec le bro Nico. Et à demain, du coup. J'ai dit le bro. Arrête, ça, gros, là. Allez, tchou, bisous, tchou, il y a du vlog. Je monte ça quand je rentre à l'hôtel, enfin à la caserne de pompiers, je vous l'envoie, vous le voyez ce soir. Bisous!